Donc, on nous nomme Happy. Ben, on peut penser qu'on a les petits smileys Happy. C'est vrai que je suis assez souriante, mais un API, c'est un aide pédagogique individuelle. C'est une personne qui va vous suivre, qui va vous accompagner pendant vos 3 années que vous allez passer à l'ITA. Du moment où vous entrez et jusqu'à la fin, ben, j'ai à travailler avec vous pour regarder un peu votre cheminement scolaire. Quand vous entrez au cégep, là, c'est quand même assez différent du secondaire. Au cégep, on a des sessions qui sont réparties sur 15 semaines et 15 semaines par session. Donc, vous avez 2 sessions par année où, dans chacun des programmes que vous allez suivre, il y a un cheminement de cours qui vous est proposé pour arriver jusqu'à la fin de votre DEC. Et mon travail, c'est vraiment de vous suivre à travers de ce cheminement-là. Je vous ai mis un exemple un cheminement de quelqu'un qui serait en technique de production animale. Ce que je voudrais attirer quand même votre attention, c'est en bas, vous voyez le nombre d'heures qu'on calcule où vous serez présent soit à des cours théoriques ou à des cours pratiques. C'est quand même un changement important là, que vous faites entre le travail, entre être étudiant au secondaire et être étudiant au collégial. Il y a quand même de l'adaptation à faire. Puis, au travers de tout ça, ben moi, le travail que je fais avec vous, c'est justement préparer l'offre de cours dans chacune de vos sessions. S'il arrive qu'il faut faire des modifications d'horaire parce qu'il y a quelque chose où vous devez être présent, puis qu'on peut, en fin de journée peut-être, puis qu'il faut absolument essayer de trouver un autre endroit où le cours peut être pris, ben, je fais les modifications d'horaire. Il peut arriver que vous vouliez, au cours de la session, à un moment donné, quand vous allez commencer à suivre vos cours, vous pouvez peut-être trouver que c'est un rythme assez rapide et peut-être décider de vouloir annuler un cours. À ce moment-là, vous venez me voir, puis je vais regarder avec vous quelle serait l'importance là, d'annuler le cours, qu'est-ce que ça ferait au niveau de votre cheminement. Il y en a certains qui peuvent arriver, qui ont déjà peut-être fait du collégial. Alors, je vais regarder si les cours qui ont déjà été pris au collégial pourraient correspondre à des cours qu'on aurait dans le cheminement scolaire. Puis à ce moment-là, on pourrait regarder, voir si le cours que vous avez déjà pris pourrait remplacer. À ce moment-là, vous n'auriez pas à faire le cours que vous avez dans votre cheminement scolaire parce qu'on considérait que vous avez déjà acquis les connaissances qu'il faut à travers un autre cours. Il peut arriver aussi que pour pouvoir bien planifier votre cheminement scolaire, on est à avoir recours à des cours qui sont offerts à travers par un autre cégep. Des fois, quand il peut avoir des conflits d'horaires, c'est une façon que je peux trouver pour trouver un cours à l'extérieur qui pourrait bien entrer dans votre horaire puis qui ferait que vous n'auriez pas de conflit. Bon, des conflits d'horaires, ça se présente souvent. On espère, quand on rentre à l'école, au collégial, on espère de passer au travers de nos 3 années sans accroc, puis que tout roule. Mais dans les faits, il arrive là, toutes sortes de choses dans notre vie, puis qui peut faire que ça accroche un peu pour un cours. Ça fait qu'à ce moment-là, le travail que je fais avec vous, c'est de voir où on va pouvoir faire la reprise de cours. Et c'est là que des fois, ça peut faire des conflits et, comme je disais tout à l'heure, que je peux faire appel à des commandites. Donc, tout le long de votre cheminement, il peut arriver toutes sortes de choses et il faut faire une adaptation du cheminement scolaire. Il y en a même qui vont peut-être rentrer puis déjà décider de prendre plus de temps pour faire leur DEC puis de le répartir sur 4 ans. C'est quelque chose qui est possible. Puis à ce moment-là, bien, on va adapter justement le cheminement scolaire pour le mettre sur 4 ans. Puis, tout au long de votre passage, on fait un suivi de vos résultats scolaires
pour être là, pour détecter les moments où vous avez plus, peut-être plus de difficultés avec un cours, avec une matière, puis essayer de avec le centre d'aide dont Vincent va vous parler tout à l'heure, pour essayer de vous trouver des solutions pour vous aider à passer au travers de votre cheminement scolaire et de vous rendre jusqu'à la diplomation. Il peut aussi arriver que vous ayez choisi un programme, puis que à force de suivre les cours, vous vous dites c'est pas tout à fait ça que je pensais. Je pensais plus m'en aller, mettons, vers la gestion plutôt que de la technique. Alors, c'est en parlant avec moi qu'on peut regarder, voir qu'est-ce que ça ferait de changer de voie ou de sortie ou de programme pour évaluer où vous en êtes, puis qu'est-ce que ça aurait comme conséquence de faire le changement de programme. Est-ce que pas nécessairement si c'est avantageux, mais si ça se fait bien avec l'intention que vous avez vers où vous voulez aller. Il y en a déjà qui vont rentrer au collégial puis qui ont déjà l'idée d'aller à l'université. Alors ça aussi, je travaille avec vous pour trouver les préalables que vous avez à suivre pour bien vous intégrer dans votre programme universitaire. Puis aussi, un du travail que j'ai à faire, c'est au collégial, dans le fonctionnement du collégial, il y a quand même des politiques et des règlements à suivre. Et des fois, il peut arriver que c'est plus difficile, une partie d'un article est plus difficile à comprendre, ou vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez droit ou quelles sont vos obligations. Je peux vous guider là-dedans pour bien interpréter les politiques ou les règlements, puis être bien informé de vos droits et de vos obligations. Bien, je sais que c'est vite, vite, vite ce que je viens de faire, mais ça fait le tour rapidement de qu'est-ce qu'un API peut faire. Puis, ça me ferait énormément de plaisir d'être votre API, puis de vous soutenir, de vous accompagner dans votre cheminement jusqu'à votre diplôme du collégial. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais me représenter. C'est Roxane Martine Coutu. Je suis registraire. Un registraire, en fait, qu'est-ce que ça fait? Moi, je m'occupe principalement du dossier étudiant, donc de votre dossier quand vous serez étudiant là, au campus de la Boccatière, sera de l'admission à la sanction, c'est-à-dire à l'obtention de votre diplôme, en passant par toute l'application réglementaire. Donc, à partir du moment de votre sélection, de votre demande d'admission, vous savez que vous devez déposer votre demande d'admission au SRAC sur le site Internet. À partir du moment du dépôt de votre demande d'admission, c'est moi qui vais analyser vos dossiers et traiter votre admissibilité ou non au programme. Donc, il y a des programmes qui ont des cours préalables, d'autres qui n'en ont pas, mais vous devez évidemment avoir réussi votre diplôme d'études secondaires. Là, ça, c'est le minimal pour tous les programmes. Donc, c'est moi qui vais étudier si vous avez ce qu'il faut pour rentrer ou non au programme et quelles pourraient être les solutions là, s'il vous manque, si vous avez des cours manquants ou des préalables manquants. Donc, c'est moi qui vais communiquer avec vous là, à ce niveau-là. Et c'est également la même procédure pour ceux qui ont un programme contingenté là, qui se fait par sélection. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la sélection là, pour le programme de technique équine. Vous êtes évalué en fonction de la cote SRAC. Quand le SRAC analyse votre dossier, il va établir une cote en fonction de vos notes au secondaire, soit les deux premiers bulletins de secondaire 4, parce que là, évidemment, c'est pour cette année, parce que cette année, là, on sait tous que l'année passée, le secondaire a terminé là, de façon un peu étrange avec un dernier bulletin non chiffré. Donc, question d'équité, ce qui est calculé dans la cote, c'est les deux premiers bulletins de l'an dernier, là, pour ceux qui ont fait le secondaire 4 l'an dernier, qui étaient chiffrés. Et le bulletin qui va être disponible, soit c'est votre premier bulletin de secondaire 5, qui lui également aussi et va être chiffré. Donc, c'est ces chiffres-là qui vont être utilisés pour calculer votre cote SRAC, qui va servir à ordonner là, votre admissibilité en technique équine. Je dis technique équine parce que c'est notre seul programme contingenté. Pour les autres, évidemment, c'est le résultat, mais c'est également les chiffres qui seront transmis au SRAC là, dans tous les.
Donc, c'est évidemment, là, tout dépendamment si vous êtes déjà rendu au collégial, il y a aussi des notes du collégial qui sont prises en compte là, et qui servent à établir une cote mixte. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on calcule l'éligibilité des gens. Et il faut savoir, notamment pour Technique Ekin, que chaque voix est ordonnée indépendamment l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment important quand on fait notre demande d'admission, que ce soit en technique équine ou dans n'importe quel autre programme, une fois admis, comme l'expliquait l'API un peu plus tôt, si vous voulez changer de programme, vous devez refaire une demande de changement de voie. Elle regarde avec vous si ce serait quoi les impacts au niveau de votre cheminement, mais à chaque fois, c'est comme si on refaisait une demande d'admission. Donc, à chaque fois, ça se pourrait que ça puisse se faire ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de faire notre demande. Et même chose, ça va être important de faire la demande au premier tour parce que même pour les programmes qui ne sont pas contingentés, bien, on analyse tous les étudiants admis et ça se pourrait que si on arrive à une classe pleine, le programme ne soit pas ouvert au tour suivant. Donc, je vais vous inviter à déposer votre demande, là, idéalement, avant le 1er mars pour pouvoir être sûr parce qu'il se pourrait... Ça arrive certaines années que certains programmes n'ouvrent pas au tour suivant. Donc, si vous voulez aller en GTEA, gestion et technologie d'entreprise agricole, et que j'ai une classe pleine après le premier tour, ça se pourrait que le cours ne soit pas offert au deuxième tour. Donc, c'est d'où l'importance de le faire au premier tour. Même chose si vous avez fait une demande d'admission au premier tour, mais que vous avez de la difficulté à l'école, ça se pourrait que votre dossier soit refusé, qu'on vous demande d'attendre au deuxième tour pour représenter une demande ou qu'on vous demande encore de vous nous présenter là, votre preuve de diplôme lorsque l'année scolaire va terminer. Donc, comme je disais, il faut s'assurer que vous êtes admissible au moment là, de votre entrée à l'école. Sinon, il y a quelques mesures d'exception qui sont applicables. Mais si vous avez des questions, moi, je vais être là pour répondre à vos questions précises là, sur le domaine là, jusqu'à 14 heures, comme vous expliquait Véronique, après la rencontre. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions concernant les préalables, les cours manquants, encore la cote SRAC ou votre sélection, n'hésitez pas. Puis moi, ça va me faire plaisir de traiter votre dossier là, si vous venez avec nous pour les 3 prochaines années. Merci. Véronique, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous parler de deux services qui font partie du quotidien de beaucoup d'étudiants au collégial, parce que votre quotidien... tôt ou tard, ce sont vos cours, vos travaux, etc. Et à travers tout ça, il y a deux services qui sont là pour vous aider, qui sont les services adaptés et le centre d'aide. La première chose que je voudrais faire, c'est de vous parler de la différence entre les deux. Donc, pour les services adaptés, il s'agit de services qui s'adressent à vous si vous vivez avec une condition... qui est possiblement permanente, mais qui ne dépend pas de vos méthodes de travail ou de choses que vous pouvez améliorer en vous exerçant. Très souvent, c'est lié à un diagnostic. Il y a à peu près un étudiant sur 5 actuellement qui est inscrit au service adapté sur le campus La Pocatière. Donc, ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de courant et de connu, mais c'est un service qui est tout à fait confidentiel. Le centre d'aide à l'apprentissage, lui, s'adresse à tous les étudiants. Et il s'agit de vos difficultés d'apprentissage, donc des choses que vous pouvez améliorer en améliorant vos méthodes de travail, vos méthodes d'études, en ayant de l'aide pour telle ou telle matière, etc. Et ça, je dirais que c'est un étudiant sur deux environ qui va utiliser les services du centre d'aide au cours de son séjour au campus. Si je reviens aux services adaptés tout d'abord, les services adaptés offrent des mesures puis des services, évidemment, aux gens qui ont ce qu'on pourrait appeler des troubles d'apprentissage classiques, TDA, TDAH, dyslexie, dysorthographie, etc. Si des gens, par exemple, qui vivent avec de l'anxiété ou qui ont d'autres conditions qui sont le plus souvent liées à un diagnostic, qui vivent avec un handicap, toutes ces choses-là peuvent justifier des mesures adaptées. Les blessures aussi. Fractures, commotions cérébrales, entorses, dépendamment de la situation, dans les cours ou entre les cours, ça peut justifier des mesures adaptées et donc ça peut devenir pertinent de prendre contact avec la conseillère. Les mesures, il y en a de toutes sortes. Elles sont évidemment associées à des troubles ou à des difficultés particulières. Les plus connues, c'est le temps supplémentaire pour les examens, l'accès à des logiciels, local isolé quand c'est en présence. Il y a aussi des étudiants qui peuvent prendre des notes en parallèle de certains autres
pour apporter un complément lorsque le cours est fini puis que l'étudiant qui est inscrit aux mesures adaptées a besoin de réviser ses notes à l'aide d'une prise de notes, disons, exemplaire juste à côté. Donc, c'est un service qui existe aussi. La grosse différence qui est importante de retenir entre le secondaire et le collégial, c'est que, par exemple, dans une polyvalente, la direction peut vous donner des mesures adaptées ou un plan d'intervention sans avoir à le documenter. Elle décide toute seule. Tandis qu'au collégial, par exemple à l'ITA, le plan d'intervention doit être fait par un conseiller, une conseillère, et il découle habituellement d'un diagnostic. Donc, en fait, la chose importante à retenir, c'est que dès votre inscription, dès votre admission à l'ITA, si vous pensez que ça vous concerne, c'est de prendre contact avec la conseillère. Alors, si vous avez un diagnostic, si vous aviez un plan d'intervention ailleurs avant, mais que vous ne savez pas s'il y a un diagnostic d'attaché ou qu'il n'y en a pas, si vous avez des doutes, vous n'êtes jamais fait confirmer que vous avez un trouble d'apprentissage, mais vous pensez que ça se peut, si vous vivez avec un handicap, et pendant votre séjour à l'ITA ou avant, si vous vous êtes blessé, c'est important, si vous avez eu un accident, c'est important d'aller voir l'aide pédagogique individuelle, France Rattel, qui vous a parlé en début de présentation. Et elle va vous référer aussi à la conseillère en services adaptés, Yolande Cornelissen, pour voir s'il y a des mesures associées à ça. Si on passe du côté du centre d'aide maintenant, il s'agit davantage de travailler sur des choses que vous pouvez améliorer, que ce soit de la gestion du temps, prise de notes, méthode d'étude, difficulté avec telle matière ou tel cours. C'est vrai pour les cours de formation générale, les cours de base, français, philo, éduc, cours complémentaires. C'est vrai aussi pour vos cours techniques, vos cours de concentration, qu'ils soient théoriques ou pratiques. On est dans, je vais dire presque tout, parce qu'une exception, ça se peut, mais je pourrais quasiment vous dire qu'on est dans tout. Et on aide notamment en français écrit, qui est une chose très importante pour la réussite de vos études collégiales. Alors, ce qu'on fait dans le fond au centre d'aide, c'est qu'on vous reçoit quand vous prenez contact avec nous, on entre en communication, qu'on fait d'abord une analyse de vos besoins. Lorsqu'on a déterminé avec vous c'est quoi votre situation, c'est quoi vos besoins à court puis à moyen terme, bien là, on va vous proposer des ressources, des mesures, des services. Donc, qu'il s'agisse de mentorat, d'ateliers, de rencontres individuelles pour vous aider avec telle ou telle difficulté. On a évidemment une armée de tuteurs, des étudiants qui aident d'autres étudiants dans des dizaines de cours. On prête des documents. Donc, il y a toutes sortes de ressources comme ça. Ce qui est important de retenir, c'est que nous, notre horizon, c'est le respect puis l'atteinte de l'autonomie des étudiants. Vous êtes des jeunes adultes, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de prendre contact avec nous. Si on fait l'analyse avec vous puis qu'on vous propose des mesures, c'est vous qui décidez lesquelles vous voulez prendre. Nous, on va vous entrouvrir la porte au cours de la session, des fois par un petit sondage, un suivi du bilan de mi-session qui est une opération qu'on fait pour vous permettre de savoir où vous vous situez dans vos apprentissages. Des fois, des étudiants vont vous recommander de prendre contact avec nous, mais c'est vous qui avez les deux mains sur le volant, c'est vous qui êtes aux commandes. Bon, ça fait le tour ce matin de ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser pendant la période de questions, mais vous pouvez aussi entrer en communication avec ma collègue Yolande Cornelissen ou avec moi à partir de lundi ou même nous laisser un message maintenant. Si vous écrivez un courriel ou quoi que ce soit, ben nous, on va en prendre connaissance au plus tard lundi et puis on va faire le suivi avec les gens qui sont concernés et qui ont besoin de réponses. Ça va nous faire plaisir. En fait, simplement là, pour vous mentionner là, au niveau là, des stages hors Québec au campus, en fait, vous pouvez décider d'aller faire un stage à l'extérieur du Québec. Peu importe dans votre programme, c'est possible. Je vous mentionne en fait aujourd'hui, là, donc vous pouvez, vous allez avoir en fait là, vous avez la possibilité de faire un stage un peu partout, que ce soit dans l'Ouest canadien, que ce soit en France, en Suisse. On accompagne vraiment les étudiants là où vous le désirez. On s'entend, là, il faut que la place, là, ça soit quand même sécuritaire. Donc, à l'ITA, en général, là, notre taux de mobilité là, est un peu plus élevé que dans les autres cégeps. Là. Donc, en 2020, on parle que c'était supposé, parce qu'on s'entend qu'il n'y en a pas eu l'été passé là, à cause de la situation actuelle. Donc, on était un taux de près de 3
3,5 %, tandis que dans les autres cégeps, là, c'était plus aux alentours de 2,5. Donc, on a plusieurs étudiants qui partent un peu partout à travers le monde, à travers différents pays pour vivre différentes expériences. Donc, on est vraiment là, en fait, pour vous accompagner là, dans vos démarches, pour vous aider là, à trouver un endroit, mais également là, pour tout ce qui est des démarches. Et puis, on s'assure aussi là, durant là, l'été que s'il y a quoi que ce soit, là, ben, moi, je suis toujours là, disponible pour vous répondre 24 heures sur c'est en cas d'urgence. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de vous expliquer là, que les stages hors Québec sont possibles à l'ITA. Et également, en fait, dans mon rôle, c'est que je suis aussi responsable du placement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, grosso modo, c'est qu'on offre un service pour vous aider si vous avez besoin là, de trouver un emploi, un stage, mais surtout, c'est qu'on organise une journée carrière là, par année pour nos étudiants. Donc, cette année-là, ben, c'est, vous vous doutez bien que c'est en mode virtuel. Donc, on n'est pas en mode, on se voit tout le monde ensemble, mais par contre, là, on a trouvé une plateforme qui est immersive, donc les étudiants vont pouvoir là, rencontrer les entreprises comme s'ils étaient en présence, donc en physique. Puis habituellement, à la Pocatière, on a environ 20 à 30 là, kiosques qui sont là, 20 à 30 entreprises pour vous rencontrer. Puis aussi, le service de placement, c'est qu'on affiche des offres d'emploi directement sur Omnivox pour nos étudiants. On en reçoit là, plus de 1300 par année, donc ce qui fait en sorte qu'on a un très bon taux là, de placement. Là, donc, on est à près de 99% de placement pour nos étudiants donc, qui se trouvent un emploi à la suite de leurs études. Alors, ben voilà, donc c'était principalement ça ce que j'avais à vous mentionner pour ce matin.